C'est clair qu'on peut être que dégoûté vu qu'on tenait le match. On a eu une suspension des deux côtés assez rapidement dans le match, 10 contre 10. Et malgré cela, on était bien solide défensivement jusqu'à ce que ce but arrive sur coup de pied arrêté. Sinon, ils n'ont pas été dangereux. Et ensuite, on a continué à produire du jeu en deuxième mi-temps et ça a fini par payer par l'entrée de Darbich qui obtient un penalty et Adama qui concrétise cette occasion. C'est rageant, bien sûr, parce qu'on a deux penalties dans le match. C'est clair que c'est rageant, mais bon, faut pas s'attarder sur ça, vu que vendredi, on a un match important à la maison comme tour, donc il faut tourner la page et rester positif le plus possible.